annoncé le grand retour de la section DSO. Gims retrouve ses amis Black M, Barak Adama, Lefa, Maska, J.R.O. Chrome et Doumam pour une tournée exceptionnelle dans toute la France qui débutera en mars 2022 et un album. Gims retrouve ses amis Black M, Barak Adama, Lefa, Maska, J.R.O. Chrome et Doumam pour le retour tant attendu de section DSO. Après une très longue pause et des carrières solo lancées, le groupe de rap originaire de Paris revient pour le plus grand bonheur de ses fans. L'annonce a été faite par Gims et ses collègues et a été relayée à la télévision. L'interprète de GM et Tyr a dévoilé les bonnes nouvelles, un album et une tournée dans toute la France se préparent, pour mars 2022. Initialement, il était prévu que les 7 artistes membres de la section DSO donnent une série de concerts courant 2021 mais la crise sanitaire a eu raison de leur planning. C'est donc avec le retour des rois que les rappeurs ont indiqué leur programme pour la nouvelle année qui approche. Et il y a de quoi ouvrir l'appétit aux fans de rap français. Nouvel album disponible uniquement en physique à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022, puis dans les salles de concert jusqu'à la fin de la tournée. Bon de précommande également disponible dans les salles à partir du 25 mars, a noté Gims sur son compte Instagram. La section DSO passera dans toutes les villes de France, Épernay le 25 mars, Toulouse le 28 mars, Limoges le 30 mars, Clermont-Ferrand le 31 mars, Angoulême le 3 mai, Caen le 5 mai, Rennes le 6 mai. Toutes les dates de la tournée sont d'ores et déjà disponibles sur le site officiel du groupe et la billetterie est ouverte. C'est en 2010 que le public a entendu parler de la section DSO pour la toute première fois. Avec leur premier album, L'école des points vitaux, Gims et ses acolytes ont frappé très fort et ont vendu plus de 100 000 exemplaires de ce premier EP. Les titres les plus connus de la section DSO comme Désolé, Whatty by Night, J'ai pas les love ou encore Casquette à l'envers traitent de sujets universels comme la famille, l'amour, la scolarité ou encore l'amitié.